tout le monde. Aujourd'hui, pour notre petite vidéo de peinture avec l'acrylique, surtout pour le coulage d'acrylique, on va faire une toile qui m'a été suggérée, c'est-à-dire quelque chose qui m'a été suggéré par un de mes amis. Puis je pense que ça a du bon sens. La semaine passée, on a fait deux toiles pour essayer de recréer l'eau. Il y en a une que c'est un franc succès, là, que c'est épouvantable, là, c'est, elle est vraiment belle. Mais la deuxième, ça donnait ça. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, quoi, qu'est-ce qu'elle a, pas si mal. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je la déteste. En fin de compte, mon ami, ce qu'il m'a suggéré, puis je trouve que ça avait du bon sens, refaire un de l'épouring par-dessus, un autre coulage par-dessus. On va bien voir, on va essayer de faire un genre de chute d'eau. Encore une fois, c'est des expériences qu'on fait. Que je ne sais pas si ça va vraiment donner des résultats escomptés, mais en tout cas, on va l'essayer. Puis peu importe, en tout cas, pour moi, ça va être plus beau que ça. En tout cas, à mon goût, à moi, là, ce ne sera pas dur de faire. Fait qu'on va essayer notre petite recette, puis on va voir ce que ça donne. On y va.
ben, je suis vraiment pas sûr que ça ressemble à une chute d'eau. Mais, tu sais, to each his own, hein, ça, chacun voit ce qu'il voit. J'espère que quelqu'un qui voit une chute d'eau, malgré que j'en vois pas tellement. Peut-être qu'il y a des petites ressemblances, là, mais il n'y en a pas gros. De toute façon, c'est un procédé qui continue. Hein, c'est, on apprend au fur et à mesure, puis c'est tellement le fun de Dirty Powering, parce qu'on ne sait jamais exactement où on s'en va. Fait que, en tout cas, je trouve que même si c'est peut-être pas tout à fait comme une chute d'eau, là, vraiment pas, mais je vais y arriver, pas mal sûr de ça, c'est beau pareil. Fait que c'est quand même pas si mal. Fait que là-dessus, on se revoit aux prochaines vidéos de peinture.